Salut tout le monde, c'est Bazaren. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment rejoindre des tournois dans Clash Royale. Donc après la mise à jour, donc il n'y a plus la loupe pour trouver des tournois facilement. Donc on ne peut plus faire la technique de marcher à tous les coups. Donc il y a une autre technique. Donc je vais quitter ce tournoi. Voilà. Et donc pour rejoindre un tournoi, vous allez taper par exemple les syllabes. Donc ce. Et vous allez chercher ceux qui sont ouverts. Donc par exemple lui. Et voilà. J'ai rejoint un tournoi. Donc c'est super simple. Après, donc on peut faire. Donc on peut en rejoindre plusieurs. Donc je le requitte parce que là ça a été super rapide. Donc je vais en rejoindre un autre. Donc par exemple je marque terre. Ah là il n'y en a pas. Vous faites comme ça. Vous tapez des syllabes. Et au bout d'un moment, il y aura des tournois ouverts. Et vous le retrouverez, vous n'aurez plus qu'à rentrer. Par exemple lui là. Le défi de Romain. Voilà, je peux rejoindre. Vous voyez, donc c'est assez rapide. Donc je vais en faire un dernier. Donc on fait. Donc là, il n'y en a pas. Un autre, par exemple, l'eau. L'eau. Alors, donc on va. Donc on cherche. Non, il n'y en a toujours pas. Ok, on va réessayer. Donc par exemple avec Death. Ah, il y en a un peu plus là. Donc on cherche. Donc on cherche, ça c'est bon, voilà, 17h50, hop, rejoindre, hop, on a rejoint un tournoi. Donc ensuite, autre technique pour en vous rejoindre encore, vous allez taper donc un truc par exemple, tu, encore une fois des syllabes, vous allez, donc, par exemple prendre lui, vous allez faire info, vous allez voir si c'est que du même clan. Oui, non, c'est que du même clan. Donc, moi, je vais pas le faire. Mais si vous voulez, par exemple, rejoindre lui, donc, vous quitterez votre clan. Donc, vous quitterez votre clan, ensuite, vous allez rejoindre le clan donc, de eux. Donc, je sais plus ce que c'était. C'était U20 comme ça. Donc, vous rejoindrez ce clan. Et donc vous demanderez le mot de passe, vous rejoindrez et c'est bon, vous serez dans le tournoi. Encore une autre, donc vous voyez donc ils sont beaucoup sur 50. Donc par exemple à 11, donc voilà 13, vous allez faire info, voir, voilà, il n'y a que des gens d'un clan, Scorpion SK, donc en mot de passe, c'est peut-être Scorpion SK. Donc on essaye, on sait jamais. Moi une fois ça avait marché. Scorpion S qui a rejoindre. Et donc là ça marche pas. Moi une fois je suis tombée sur un tournoi comme ça où j'ai juste à taper le clan. Non, j'avais tapé le nom du mec. Donc par exemple là c'est Monsieur Cathy. Info. C'est encore que des gens d'un clan. Et jamais c'est pas que des gens d'un clan, donc ça pourrait donc être par exemple quelqu'un qui a mis un mot de passe, par exemple son nom, et il s'est dit on va voir. Donc là pour l'instant c'est que des gens du clan.
à quoi cette technique est moins efficace que celle qu'on cherche. On cherche. Ah, là par exemple, ce n'est pas que des gens d'un seul clan. Donc il fait partie de Gloombox. Mais on va mettre son nom. Donc c'est XOZSOMATM. Je sais pas comment on fait TN. XSOMA. Je pense pas qu'il est. On va taper ça. Donc là ça marche pas. Maintenant son clan. Gloombox. Green. Et box, je crois qu'il n'y a pas de majuscule. Ah si, il y avait une majuscule. On va refaire. Green. Box. Après, ça n'a pas marché encore une fois. Mais des fois, il y en a qui meurent. Donc maintenant je vais marquer donc Gersgang TV. Guerre. Je sais plus comment c'est qui. Gersengus. TV. Non, c'est un Z. TV. C'est bien comme ça, guerre. Oui, ça c'est fait, donc ça marche pas. Donc on en re-essaye. Après tout. Bon, moi ça marche pas. Mais vous verrez que ça pourrait marcher. Si vous en trouvez. Donc, bien sûr, la technique qui reste la plus simple, c'est mettez une syllabe, vous cherchez. Donc, oh, là, il n'y en a pas. Et à chaque fois, vous changez de syllabe. Et vous trouverez assez rapidement des tournois. Moi, en l'espace de 5 minutes, si j'ai de la chance, des fois, j'en trouve 3 ou 4. Donc, ça peut varier. Mais franchement, c'est assez rapide. Ah, toujours pas. F A. Ensuite donc on cherche voilà un début d'un 1h45 donc on va revenir voilà donc j'ai un tournoi. Donc vous voyez que c'est relativement rapide. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est déjà la fin. Et j'espère que ça vous aidera pour trouver des tournois facilement. Et donc sur ce, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Peace.